Bergman. Et je suis heureuse et très fière d'avoir un de premiers nouveaux-nés. Et je suis sûre qu'elle sera contente de joindre ses frères Oscar ce soir à la maison. Je voudrais donner et adresser un bravo à Georges Craven, qui est le père, le petit papa de César. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Je déclare la cérémonie ouverte. Très heureuse et très fière. Simone Signoret pour la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci mille fois. Oui. Maintenant, we go over here, right? Et maintenant, on va faire. Je souhaite que le cinéma reste quelque chose, et il a de grandes chances de le rester et de ne pas devenir trop quelconque grâce à tous ces quelques-uns qui sont là ce soir et qui l'aiment tant comme moi. Merci. Je suis très ému. Viens ici, Christophe. Christophe. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Merci. Et ce soir, vous m'avez pris par surprise. Je n'ai pas de discours. Mais je vous remercie mille fois et ça me rend très heureux. Merci. Merci. C'est une légende vivante de Hollywood. Entre sur scène, une légende qui sait écrire, souvenez-vous, Le fils du chiffonnier, ses mémoires, et un roman à paraître, Danse avec le diable. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir, 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 mesdames, messieurs. Vous savez, c'est encore moi pour la troisième fois. Mais cette fois-ci, je suis tellement heureux parce que je suis le président. Ça, c'est quelque chose d'important. En Amérique, vous savez, c'est pas très difficile pour un acteur de devenir le président. Mais ici, c'est vraiment important et je vous remercie. Vous savez, je suis arrivé à Paris il y a plus que 35 ans.
pour faire un film en français. Depuis ce film, je n'ai rien, jamais, je n'ai rien fait un autre film en français. Ben pourquoi? Peut-être j'ai fait quelque chose maladroit, peut-être mon accent, mais je n'ai fait un film. Mais, heureusement, à cette époque-là, j'ai fait la connaissance de ma femme Anne. Anne est française. Mesdames, messieurs, heureusement, j'ai fait quelque chose correct. En Amérique, nous aimons vos films, vos artistes. Nous croyons que le film parle une langue internationale. C'est pour ça que je suis très content, comme votre président, je voudrais dire que je déclare ouverte la 15e cérémonie des Césars du cinéma français. Merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous proposer d'avoir à réapplaudir une seconde fois. Quel bonheur, M. Kirk Douglas, parce que c'est aussi l'auteur que nous saluons ce soir. Vous savez qu'il a participé à un numéro tout à fait admirable d'Apostrophe, qu'il y a remporté un grand succès. Il vient de réécrire un second livre intitulé « Danse avec le diable ». Et ce soir, notre ministre de la Culture, M. Jean Lang, l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Bravo. Eh bien, je vais appeler notre président qui va remettre le César du meilleur film, mais je voudrais corriger Eve Ruggieri, qui ne fait quelquefois des petites erreurs. Je suis content de lui dire ce soir. Je l'adore, ça pourrait être ma fille, mais comme elle dirige à Antenne 2, il faut que je sois gentil. Mais elle a dit chevalier, la Légion d'honneur. Monsieur Lang a remis à Monsieur Kirk Douglas les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Voilà. Monsieur Kirk Douglas. Vous savez, il y a 5 nominés, mais seulement 1 pour gagner. Et c'est tellement important d'être nominé. Je sais bien, je n'ai pas jamais gagné un Oscar, mais j'ai été nominé plusieurs fois. Mon fils Michael, par exemple, il a été nominé seulement 2 fois, mais il a gagné 2 fois. Mais je suis fier de lui, et je suis fier ce soir pour tous les nominés, s'ils gagnent ou non en César. Et maintenant, c'est le moment suprême. Le meilleur film. Excusez-moi. Du cinéma français. Monsieur Ear. Pardon. Nocturne Indien. Mais tu sais même pas ce que c'est que de tourner la tête d'un homme. Trop belle pour toi. Je t'aime dans les vols, Marine.
C'est mon mec. Vous pouvez pas me le prêter encore un tout petit peu? Il est bien avec moi. Ça vous amuse de faire chier le monde, hein? C'est ça? Eh, hey, dis donc toi, t'as une grande... Au mensonge, pitié. J'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie. Regardez la porte, là. Elle s'ouvre pas, la porte. Je suis obligé de passer par derrière comme un con, putain. Je me fais arrêter toutes les 10 minutes. Non, non, le nord, le nord. Bon. Non, mais là, le nord. L'envie et rien d'autre. Écoute-moi, nous, sud-sud-ouest, voilà. Allez. Terrible, là, à chaque fois qu'il y a, de la, qu'il y a du brouillard, c'est pour moi. Hein. Et maintenant, nous allons connaître qui a gagné le meilleur film du cinéma français. Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Eh bien, Bertrand Blier rafle les prix les plus importants, les Césars les plus importants ce soir. Jusqu'ici. En 1989, Bertrand Blier, longtemps considéré, enfin bref, ça a été un film très bizarre, avec plein de souvenirs merveilleux et d'autres moins merveilleux. Merveilleux parce que il était... C'était un film de femme, d'abord, ce qui me changeait un petit peu. Et moins merveilleux parce que, pendant que je le faisais, mon père rentrait à l'hôpital. Alors, j'entendais tout à l'heure Kirk Douglas parler de son fils Michael, et je pense que Michael Douglas a beaucoup de chance de pouvoir téléphoner à son père tous les jours. Moi, j'ai passé mon enfance à entendre, à rencontrer des gens qui me disaient toujours « Comment va ton père ?» Ou alors c'était « Et ton vieux, ça va ?» D'autres, je ne citerai pas de nom, me disaient « Comment va ton compte-père ?» Eh bien, maintenant, bien entendu, on ne me dit plus ces choses-là. Honnêtement, ça me manque énormément. Alors, je crois qu'un jour, si j'ai un film à faire vraiment avant de m'arrêter, ce sera un film sur lui. À bientôt. Et maintenant, pour clore la soirée, tous les lauréats de la 15e nuit des Césars. Alors nous allons rappeler ses lauréats. La meilleure actrice, c'est Carole Bouquet. Le meilleur acteur, c'est Philippe Noiret. Il faut souligner que Trop belle pour toi, qui avait 11 nominations, eh bien, se taille la part du lion ce soir. Meilleur réalisateur, Bertrand Blier. Meilleure monteuse, meilleure actrice, Carole Bouquet. Meilleur scénario, Bertrand Blier. Meilleur film, Quelle belle moisson, Saint-César. Mais il est vrai que certaines années, les films avaient glané beaucoup plus de récompenses encore. Je pense au dernier Métro. Bienvenue à Vanessa Paradis dans ce club du cinéma. Et puis nous nous réjouissons que Éric Rochant et Un monde sans pitié eh bien, aient obtenu un César. Voilà, bonsoir à tous et en conclusion, une seule devise, vive le cinéma.
Gravissant la montagne, qui est la suite de cette autobiographie. D'abord, merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être notre invité. Il y a dans ce livre quelque chose de poignant. Vous racontez une après-midi de février 1991 où un terrible accident vous oblige à repenser, au fond, à toute votre vie. C'est vrai. Vous savez, je suis très content d'être ici en France à ce moment parce que je suis arrivé en France pour la première fois il y a 50 ans. Et maintenant, je suis très content de retourner ces 3 ans après mon attaque. Et je suis content aussi de parler avec mon ami Patrick pour voir d'abord. Est-ce que c'est cet accident qui vous a fait renouer avec la religion juive? Parce que vous parlez beaucoup de votre judaïté et à un moment donné, vous dites même que la Torah reste le meilleur scénario qui vous a été donné de lire. That's right. C'est exact, c'est exact. When I was in the hospital, vous voyez, quand j'étais à l'hôpital, and I realized that two et quand je m'étais rendu compte que deux jeunes personnes avaient trouvé la mort, l'un avait 18 ans, l'autre 39, et moi, j'avais déjà dépassé la soixante-dizaine. Et j'ai commencé à me poser des questions fondamentales. Pourquoi suis-je toujours en vie? Et j'ai commencé à étudier la Bible, la Torah, et je suis arrivé à la conclusion que, quelle que soit la religion qu'on étudie, les musulmans y suivent Mahomet, les chrétiens suivent Jésus, et pour les juifs, c'est Moïse, mais ils gravissent toujours la même montagne, le même Dieu, Abraham. Alors, Kirk Douglas voulait recevoir ce soir un grand prix, le grand prix littéraire justement pour ce livre. Vous êtes aussi l'invité d'honneur du 25e festival de Deauville. Alors, souvent, Michael Douglas racontait que quand il était petit ou quand il commençait au cinéma, on lui disait « Est-ce que vous êtes le fils de Kirk ? Est-ce que ça vous arrive d'être interpellé dans la rue et on vous dit « Est-ce que vous êtes le père de Michael ?» Of course, many times. Bien sûr, ça m'est arrivé déjà maintes fois et j'en suis très fier. Parce que je trouve que Michael est un excellent acteur. Mais plus que ça, c'est une personnalité très généreuse avec beaucoup de traits positifs et j'en suis très fier. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Kirk Douglas, pour cette interview. Thank you very much. Merci beaucoup, merci. Voilà donc pour cet entretien matinal. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle.